Alors, avant d'accueillir nos deux invités, eh bien, on va vous présenter le portrait de la personne que nous allons recevoir. Dans un instant, vous ne le connaissez peut-être pas, ça n'est pas bien. Si c'est le cas, j'imagine pour la plupart d'entre vous, il s'agit de monsieur Xavier Delorue. Ton portrait tout de suite. Cette semaine, un total freestyle 100% snowboard avec la présence de Xavier Delorue, considéré comme l'un des snowboardeurs les plus talentueux de sa génération. Xavier est devenu une véritable légende avec pas moins de 3 titres consécutifs de champion du monde de freeride. Spécialiste du border cross depuis son plus jeune âge, avec 6 médailles aux X Games dont une en or, le snowboarder originaire de Saint-Lary dans les Pyrénées ne compte pas en rester là. Déjà sacré 4 fois champion du monde de la discipline, à J-60 de l'épreuve olympique de Sochi, il rêve d'accrocher le titre suprême, celui qui manque à son palmarès. Véritable chasseur de poudre, l'année 2008 sera une année marquante dans sa carrière. Une avalanche de 2 km de long aurait pu lui coûter la vie. Sauvé par son sac airbag, Xavier ne passe pas loin de la correctionnelle. Un véritable cauchemar qu'il gardera à l'esprit, même s'il continue de prendre des risques avec de grandes lignes droites sur la glace, à l'image de son film The White Noise, il sait que la montagne reste imprévisible. À 35 ans, Xavier Delorue continue de faire évoluer son sport aux 4 coins du monde. De passage à Paris pour le festival Montagne en scène, Xavier est venu présenter 2 films, Into the Mind, le film de l'année, qui a raflé tous les prix dans de nombreux festivals, et son propre film, Mission Antarctique, élu coup de cœur du jury au dernier festival The Reels à Annecy. Alors sortez moufles et bonnets, on va vous faire prendre l'air ce matin dans l'Expresso, avec de la poudre plein les yeux. Et le voici, l'animal, un monstre du snowboard. Moi, ça me fait très plaisir. Xavier Delorue, bonjour. Bien le bonjour. Ça, vous êtes bien accueilli avec un portrait comme ça de la part de votre ami, Franck Pedretti. Je lui fais confiance. La vie d'un snowboarder comme ça, en quoi ça consiste? C'est des voyages, des sensations. On l'a vu avec votre mauvaise aventure. C'est intense, en tout cas. C'est hyper intense, c'est clair. C'est beaucoup de voyages. C'est un petit peu regarder la météo, chercher les nouveaux endroits. C'est une quête permanente. Ouais. Et Franck, il filme à chaque fois, en fait, à chaque fois ses déplacements. Et d'ailleurs, il a participé à un film. Ici même, il vous filme pour le prochain film. Ah voilà. Ouais. Coucou. Oui, il était de passage à Paris, donc il est de passage à Paris pour Montagne en scène. J'ai failli pas venir. Hein. 5 heures de film hier dans une salle de cinéma m'a rappelé que j'habitais bien trop loin des montagnes. Ouais, mais vous avez pour présenter le film de l'année, Into the Mind. Allez le voir, il a raflé tous les prix. Xavier a vu le film pour la première fois hier. Et franchement, c'est un petit peu les alchimistes de l'audiovisuel. Ils auraient pu produire Batman ou Inception. Attention à Monsieur Nolan. Donc, découverte de ce film hier avec une séquence magnifique. C'était la première fois que tu le voyais, Xavier? C'était la première fois. J'étais bluffé par le résultat. Donc, ça a été j'ai bossé avec eux donc, sur une séquence qui est une des dernières séquences du film. Et j'ai été bluffé sur le niveau de travail qui a été mis... qui était mis sur le tournage et qui a été mis dans le produit final. Donc, c'est clair, ces dernières années, tout ce qui est film de glisse, toute la cinématographie a énormément progressé. Et là, on se rapproche d'Hollywood. Hein. 3 prix au total, prix du film de l'année, prix du meilleur film de freeride et prix de la cinématographie. Montage absolument époustouflant, des décors de ouf entre le Canada et l'Himalaya, bref. Mais enfin, Xavier était surtout venu à Montagne en scène pour présenter son film, Mission Antarctique, marinière de rigueur. Une mission incroyable avec un film tête en bas, hein. Pôle Sud. Comment ça s'est passé, Xavier? T'as pas fait la faute cette fois-ci. Ah ouais, mais Antarctique, il m'a fait le coup du l'ours polaire. Il n'y a pas d'ours polaire, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Encore des images après 3 films. Il y a eu This Is My Winter, White Noise l'an dernier qui avait déjà marqué les esprits. Il revient avec donc Mission Antarctique. Xavier Delorue, aussi, explorateur hein. Maintenant, 7 fois champion du monde, mais maintenant explorateur. On va dire que c'est... Comment ? Vous avez croisé des grosses baleines, là ? On a croisé des grosses baleines, des pingouins, des oiseaux, des snowpétrels. Non, mais c'est ça, vous êtes un explorateur, c'est ce incroyable. Que dit Franck. C'est ça, maintenant. Non, c'est... Disons que... je pense que dans une carrière de sportif, c'est bien d'évoluer. Et puis ça, c'est une super évolution après des années de compétition, des années de films. Et là, on est allé voir à l'autre bout du monde, à un endroit que personne n'avait jamais exploré, en termes de snowboard. C'était tout simplement ahurissant. Eh bien, on a envie de voir Into the Mind. On va voir un extrait, justement, de Mission Antarctique. Vous allez voir, ça démonte. Allons-y. It's such a foreign land that not that many people have ever snowboarded in.
This trip will stand out for the rest of my life as an amazing experience above all others. Coming into this, I knew I was going to get scared. Now that I'm here and seeing the terrain, I'm absolutely sure that I'm going to get scared. Here, every single peak we're hiking and riding has never been even touched. It's a whole new world of steepness here. Things that have never really seemed rideable in the past, here maybe they are. It's probably the steepest line that I've ever seen that wasn't a sheet of ice. It's another world. It's not really the same to anything I've ever seen before. 5, 4, 3, 2, 1, Mission Antarctique qui va sortir donc début décembre, Xavier. Alors Xavier Delorue, évidemment, freerider, 7 fois champion du monde, 4, on l'a dit, en border cross et en freeride. Du raid, t'aimes ça, hein? J'aime ça, c'est clair. Je pense que la montagne vierge, loin de tout, ça a toujours été un petit peu mon rêve. C'était le truc qui m'attire, mon péché mignon. Alors, petite transition, est-ce que l'Antarctique t'a permis de t'entraîner? Il y a une échéance olympique qui arrive, Sochi. Il est Sochi moins le quart. On est à 60 jours de l'épreuve de border cross. On va dire que l'Antarctique, c'était il y a 8 mois, 10 mois. C'était l'histoire de faire un bon trip, de me laver l'esprit, de passer un mois dans un bateau. Et puis là, c'est bon. Depuis, je suis... sur la ligne. Voilà, le border cross qui a été bien discipline olympique en 2006, qui va arriver encore à nouveau avec cette nouvelle échéance en 2014. J'ai un petit message. Tu es le roi du snowboard, on va le dire comme ça, c'était dans le portrait, en tout cas aujourd'hui sur Beansport. Il y a un roi qui n'est pas tout à fait d'accord que tu ailles à Sochi, je te propose de le regarder. Ah, Xavier! Mais alors, qu'est-ce que tu vas foutre à Sushi? Sochi? Enfin, franchement, 4 fois champion du monde de board cross, ça te suffit pas, c'est bon, qu'est-ce que t'as à prouver? C'est toi le boss. Bon, écoute, en attendant que tu me répondes, c'est moi le roi, Arthur King. D'ailleurs, quand tu veux, tu viens, hein, Bobino. C'est pas parce que monsieur m'a appris le snowboard avec Dorian Vidal qu'il faut que... Hein... Bon, allez, on me suit pas, hein. Ne me suivez pas, je retourne en scène, c'est vraiment la fin de l'entracte, je déconne pas. Monsieur Pierre-François Martin Laval, Spamelot, rencontré en 2001 pour une leçon snowboard. Alors, réaction? C'est un beau cadeau, ça. Ah, ça fait plaisir de voir Pef. Deuxième cadeau, parce que ça se passe comme ça dans l'expresso. Ladies and gentlemen, from France, Thomas Vilchez and Vanessa Lemoyne. Ben voilà, on espère te porter chance, évidemment. Voici la tenue officielle de la remise des prix en cas de médaille pour l'équipe de France. À droite, Thomas Vilchez, 1m80, 74 kg. 83, s'il te plaît, ouais. Dans l'épreuve de snowboard aquatique. Voilà, donc on l'espère en tout cas que tu porteras cette tenue. Lui, il va la porter direct, tout en haut du podium. Bien sûr, évidemment. Bon style. Voilà, c'est la remise des médailles. Allez, le time game. Donc on rappelle la tenue officielle de tous les médaillés à Sochi. Voilà, s'il neige. Genre, il vous apporte la médaille comme tout matin, parce que là, franchement, on s'y croirait là. Bah, quelle épreuve? Snowboard mais en mode pompe à roulette, c'est-à-dire le gars est nul déjà à la balle. Moi je suis freestyle. Je suis à côté d'une légende, je vais pas me la raconter. Allez, ouais. La question qu'on vous a posée sur Facebook, elle concerne justement nos tenues. Alors attention, mettez-vous et reculez-vous un tout petit peu, Xavier. C'est du perroquet. Quelle tenue préférez-vous porter alors des JO de Sochi? Celle de la France que nous portons actuellement, ou bien celle de l'Allemagne? La photo elle est incroyable, quoi. La classe, c'est l'élégance à la française, et à droite, alors, Papa Gall. Donc voilà, ça ce sont des tenues de... Pareil, un peu vintage. Ça, c'est pour la cérémonie d'ouverture. Ouais. Exactement. Et donc là, nous, on a la cérémonie des remises de médailles. Et alors là, s'il te plaît. Mais Franck, qu'est-ce qui s'est passé pour les Allemands? Alors moi, je me demande si la délégation allemande ne veut pas faire un énorme clin d'œil à la grosse polémique qu'il y a, parce que bon, c'est un petit peu les couleurs de la Gay Pride, et vous savez que... Ah, en Russie. En Russie, il y a... On va dire que c'est pas... Si on se fait des bisous entre deux garçons, c'est un peu compliqué. Effectivement. En tout cas, il faudrait peut-être qu'ils demandent conseil aux tenues vestimentaires françaises. Ça pourrait mieux se passer. Les Allemands, si vous nous regardez. Voilà, votre choix. Moi, je choisis la France, évidemment. Bah voilà, juste, il n'y a pas photo. La France. Parce que là, franchement, c'est moche. Ouais. Bah voilà, vous êtes d'accord avec nous, largement. On ne voit pas, mais un partout. Merci, Xavier. Vous restez avec nous, les amis. Parce qu'à la fin, un petit happening pizza. Ce soir, c'est Naples contre Marseille. Vous allez voir avec le champion du monde de pizza. Et puis Clarisse Agbenienou sera avec nous. Dans un instant, on va parler judo. C'est le coach, c'est Vincent Parisi. A tout de suite. Aïe.